Peuple de Dieu, nous voulons simplement profiter de l'occasion de ce que la Pâque nous offre, où nous voulons nous souvenir de la résurrection de notre Seigneur Jésus, où nous retrouver autour de ce séminaire que nous avons intitulé « Les bénéfices du sang de Jésus ». Tout ce que nous recevons au travers de l'effusion de son sang, au travers de l'écoulement de son sang, tout ce que nous pouvons obtenir comme enfants de Dieu, tout ce que nous avons en héritage, parce que le sang de Jésus a coulé un jour pour ta vie, pour ma vie. Par son sang, nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous vous invitons à partir de ce mardi 22 mars jusqu'au 31 mars de ce mois, nous vous invitons à venir ensemble avec nous et vivre ces grands moments de la Pâque au travers ce grand séminaire que l'Église à présent qui organise pour vous, pour nous, pour la gloire de notre Seigneur. Amen. La bénédiction, la bénédiction, la bénédiction,
peut être déclarée. Elle peut être refusée. Quand on déclare une bénédiction sur toi, tu peux la recevoir. Comment tu peux la refuser? Comment on la reçoit? En disant amen. Comment on la refuse? Quand on ne dit pas amen. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Amen. Quand on te bénit, on ne voudra pas des fois aussi. Que Dieu te bénisse. Et te bénisse aussi. Non. Reçois d'abord. Que Dieu te bénisse. Amen. Je reçois d'abord. Ne rejette pas la bénédiction. Et si je suis à côté de toi, dès qu'on te bénit, moi je reçois. C'est peut-être pour ça qu'il a permis que je sois à côté de toi. Et puis dans la première moitié, après si la amen, amen, amen. Et puis le Seigneur nous a enseigné que chacun peut être béni selon sa bénédiction. Il y a une bénédiction spéciale pour toi. Que Dieu a réservé pour toi. C'est cette bénédiction qui te distingue des autres. C'est cette bénédiction qui fait que nous avons besoin de toi. C'est à cause de cette bénédiction que nous constatons que tu es irremplaçable. Et nous aurons toujours besoin de toi. Mais si tu n'es pas le seul à avoir une bénédiction spéciale, chacun peut entrer dans sa bénédiction. Et quand nous sommes ensemble, chacun apportant sa particularité, nous devenons très forts. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu as une bénédiction particulière. Voilà pourquoi je me réjouis d'être ton frère et ton ami. Amen, amen, amen. Et l'exhortation de ce matin est tirée de Genèse chapitre 49. Genèse 49. Du verset 22 au verset 25. Genèse 49, 22 à 25. Alléluia. Je vais m'en venir pour toute l'église. Genèse 49. Je suis au verset 22. Je m'en venir. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Alléluia. Alléluia. C'est dans le verset 25 que nous avons les termes d'aujourd'hui. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Amen, amen. L'œuvre du Dieu de ton Père. C'est l'œuvre du Tout-Puissant.
qui te donnera des bénédictions des cieux en haut. Généralement, cette exhortation de ce matin est un message pour les servantes et les serviteurs de Dieu. Mais à la présence de Dieu, dans toutes nos églises, nous sommes des églises des servantes et des serviteurs. Il peut dire Amen. Amen. Même toi qui es assis quelque part, je le sais que tu serviras Dieu. D'une manière ou d'une autre. Nous sommes une église de servantes et de serviteurs. Amen. Et c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. En d'autres termes, ta manière de regarder le travail de Dieu peut attirer la bénédiction dans ta vie. Quelle est la place de l'église dans ta vie? Tu peux poser la question à ton voisin. Quelle est la place de notre église dans ta vie? Posez la question. Posez la question au voisin. Aidez-moi s'il vous plaît. Posez la question. Quelle est la place de l'église dans ta vie? Oh, derrière, mets-toi avec moi. Posez la question au voisin. S'il ne sait pas, je dis tu es un mauvais voisin, déplace-toi. Un mauvais voisin, change de place. Quelle est la place de l'église dans ta vie? Posez-lui la question. Et... pourquoi tu ne poses pas la question à la chorale? Tu peux poser la question en chantant. Quelle est la place de l'église dans ta vie? Que vous voulez chanter, posez la question en chantant. Quelle est la place de l'église dans ta vie? Alléluia. Quelle est la place de l'église dans ta vie? C'est une grande question. Et si les chrétiens parviennent à répondre à cette question correctement, nous serons très bénis dans nos églises. Alléluia. Quelle est la place de l'église dans ma vie? Pourquoi je viens à l'église? Qu'est-ce que je viens faire à l'église? Mais aussi pourquoi je ne viens pas à l'église? Le jour où nous regarderons l'œuvre de Dieu comme la clé de la bénédiction, notre comportement par rapport à l'église changera. Alléluia. L'œuvre de Dieu. Attention, il n'est pas dit Dieu, il est dit l'œuvre de Dieu. Comme c'est l'œuvre de Dieu, comme ce n'est pas Dieu. Si c'est l'œuvre de Dieu, il peut y avoir des faiblesses et des failles. Vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont les listes pour voir des failles. Cette chanson-là se chante dans la gamme des Do, Do majeur. Et comment elle monte comme ça? Si tu sais chanter, viens. Amen. C'est que Dieu veut te donner la plus grande bénédiction. Amen. Car la plus grande bénédiction, c'est quand nous sommes au service de Dieu. Alléluia. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Mais pourquoi tu ne peux pas servir? Pourquoi on doit te supplier pour servir? Il y a des problèmes qui ne s'arrêtent que quand nous servons Dieu. Amen. Je vais te donner un verset. Ce verset est connu au stade. Même ce soir, vous verrez des gens prier ce verset-là. Pour suivre les matchs, ils vont prier ce verset. Vous connaissez ce verset-là? Sortez!
Vous connaissez, non? Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Mais ça ne s'arrête pas là. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. En d'autres termes, c'est la bénédiction de ceux qui servent. Toute l'Église peut. Et vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes là? Amen. Troisième département, partenariat. L'église peut soutenir l'église avec l'argent. Ici, on ne parle pas d'argent. Ici, on ne parle pas d'argent. Bon, on peut soutenir. Ici, on ne parle pas d'argent. Ah, on peut parler d'argent. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Votre manière de regarder l'œuvre de Dieu déterminera le type de bénédiction que vous cherchez. Est-ce que vous m'entendez? L'œuvre de Dieu. Ce verset que nous lisons aujourd'hui, c'est un verset que j'ai envoyé à un serviteur de Dieu en Europe. L'église, c'est le lieu de ma bénédiction. L'église a besoin de moi. Est-ce que tu sais que l'église a besoin de toi? Oh, tu ne sais pas. Bon, si aujourd'hui il n'y avait aucun pasteur et toi tu viens. Tu dis, ah oui, pasteur. Et maintenant, si le pasteur était seul, il n'y a aucun fidèle. Parce que mon pâte est assaillé, mon coup, pas d'une basse. Où sont les fidèles? L'église a besoin de toi. Église a besoin de toi. On peut parler de toutes les bénédictions. Mais les grandes bénédictions. Quand tu sers Dieu. Et surtout, quand c'est difficile de servir. Il y a des gens qui sont découragés. Tu as servi Dieu dans une église. Mais on n'a jamais reconnu ta valeur. Alors tu es ici. Tu te caches. Pourtant tu es un bon musicien. Pourtant tu es un bon prédicateur. Tu dis ici aussi, si je sais, on va encore me blesser. Là-bas, ce n'était pas ta place. Dieu a permis qu'on te blesse pour que tu viennes ici. Tu seras guéri et tu serviras Dieu. Et si Dieu permet, je te pointe du doigt ou t'impose les mains. Amen, amen. Les jours où j'ai compris que ma plus grande bénédiction vient de l'œuvre de Dieu. Je regarde l'œuvre de Dieu autrement. Chaque culte a une valeur pour moi. Chaque jour quand je vais à l'église, j'ai quelque chose de particulier que je reçois. Il y a même des jours où il n'y a pas culte, mais je passe par l'église seulement comme ça en passant. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des messages rares. De vous dire que l'église c'est votre bénédiction. Donc tel que nous sommes là, nous pouvons tous être bénis au même moment. Si nous regardons l'œuvre de Dieu autrement, qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Et servir Dieu demande le sacrifice. Amen, amen. Servir Dieu demande quoi? Le sacrifice. Amen, amen. Servir Dieu avec joie. Pourquoi avec joie? Parce que ma récompense est grande. Ma récompense est grande. Alléluia. Servir Dieu avec engagement. Il ne faut pas servir Dieu en décourageant les autres. Oui. Trop de programmes à l'église comme ça. Est-ce que nous sommes tous à temps plein? Non. Serve Dieu sans décourager personne. Vous m'entendez? Le sacrifice. L'engagement. La joie.
Ne décourage personne. Mais n'oublie pas, nous rendrons compte de comment nous avons servi. Nous rendrons compte de comment nous avons servi. Il y a des gens qui devaient beaucoup servir, mais ils ont très peu servi. Ils rendront compte. Laissez-moi vous dire une chose. À cause de l'œuvre de Dieu, Dieu peut prolonger ta vie. Il peut prolonger ta vie. Parce que tu es utile pour cela. Est-ce que vous êtes là? Amen. À cause de l'œuvre de Dieu, il y a des choses qui ne t'arriveront jamais. Qui ne vont jamais t'arriver. Parce que tu sers Dieu. Est-ce que vous entendez l'église? Aujourd'hui, quand je priais avec chacune des personnes, il y a trois choses qui se feront aujourd'hui. Amen, amen. Je parle avec assurance, n'est-ce pas? Trois choses. La première chose qui se fera, c'est que ta vie sera bénie. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui était difficile devient facile. Ce que tu trouvais être loin devient tout près. Tout ce qui était difficile devient facile. Ce qui était loin se rapproche de toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Et tu le verras et tu témoigneras. Alléluia. Amen, amen. Deuxième chose, quand nous prierons, quand j'imposerai la main, tout ce qui est du diable dans ta vie sera détruit. Tout ce qui est du diable, que ce soit l'envoûtement, que ce soit la présence d'un démon, que ce soit la malédiction, tout ce qui est du diable dans ta vie sera détruit. Est-ce qu'on peut dire amen? Et vous le verrez de vos yeux. En ce lieu, aujourd'hui même. Les locaux. Amen, 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 amen. Amen, amen. Troisième chose. Quand je poserai la main, je prierai avec toi. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la grâce de servir Dieu. La grâce de servir Dieu. C'est une grâce. Quand tu sers Dieu, avec des résultats. Alléluia. Quand tu parles de Jésus à quelqu'un, la personne dit, je veux le recevoir comme Seigneur. Alléluia. Quand tu pries pour les malades, ils sont guéris. La grâce de servir Dieu. Hey! C'est que Dieu bénit. Et bénit pour l'éternité. Hier, nous en avons parlé pendant les trois jours de jeûne et prière. Et tel que tu seras béni, personne ne pourra te maudire. Balaam devait maudire Israël. Malgré tout l'argent qu'on lui a donné, il dit, comment pourrais-je maudire celui que Dieu a béni? Le plus grand sorcier de Ngiringiri, il viendra se mettre à genoux devant l'un d'entre nous. Alléluia. Se mettre à genoux. Il dira, comment pourrais-je maudire celui que Dieu a béni? Amen, amen, amen. Écoute cette parole. Il y a des choses que tu reçois seul dans la prière. Il y a des choses que tu reçois parce que c'est dans la grâce de Dieu. Mais pour certaines choses, il faut qu'un père t'introduise. Et c'est là que tu attends pour ta qui sont. Alléluia. Il y a des choses que tu reçois parce que tu as beaucoup prié. Et ça, ma camomoso do zwa po et yo bonde li mingi. Il y a des choses que tu reçois, c'est dans la grâce. Et ça, ma camomoso do zwa nanzela na ngolu. Il a rêvé. Il y a l'autre que Dieu était au sommet de l'échelle. Et tiens, ça va qui dit colo le matin. Il a rêvé. Il y a l'autre que le ciel était ouvert. Et l'eau le fond matin. Il dit non.
promesses de son père pour lui rappeler. Cet endroit est terrible. Et si tu as pour les sommes, et dis à Dieu, fais à nous. Si tu me donnes des habits, tu me donnes du pain. Si tu me gardes, si tu m'accordes de la paix, je paierai la dîme de tout. Et ce lieu deviendra la maison de Dieu. Cet homme-là avait rien. Il avait de l'huile. Et il a versé l'huile sur la pierre. Parce que tu es avec moi. Il a versé l'huile. C'est dans Genèse 28, oui, bénédicte ça là. Genèse 28, tout le chapitre est intéressant. Voilà, que s'est-il passé? Il y a un rêve. C'est accompli. Il y a un qui s'est. Comment? Il a fait l'onction de lui. Il y a pas pour la sur un rêve. Voilà, il y a un rêve. Et ça s'est accompli. Et ici. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. La parole est vraie. Il va poser à son de l'option d'huile. Mais autant ça n'est pas moi, je poserai les mains. Et je vous assure, notez la date d'aujourd'hui. Amen. J'insiste. Ne soyez pas distraits. Vous nous prierons avec vous. Imposition de main avec option. Ce que Dieu fera, comme je vous l'ai dit, il vous introduit dans la bénédiction. La malédiction et tout ce qui est du diable dans votre vie sera détruite. Et la grâce de cette vie. Amen. Amen. La grâce de cette vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Nous étions encore très jeunes. Nous allons nous déléguer. L'histoire se passe au campus. Un ami m'a dit ceci. On n'y va pas. Pourquoi moi quand j'ai fait quelque chose, j'oublie. Pourquoi? Tu dis, moi quand Dieu me parle en son, c'est toujours ce qu'il m'a dit qui est vrai. Vous savez ce qu'on a fait? Sur le campus. Nous avons un campus. Je dis, mais toi, Jésus, nous allons prier. Et nous avons prié. Je lui ai imposé les mains. Et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tous les rêves inutiles, tu vas les oublier. Mais tous les rêves qui ont un message de Dieu pour toi. Plusieurs années se sont écoulées. La mienne est allée s'installer en Afrique du Sud. Il s'est marié. Il a eu un problème pour avoir des enfants. Il a soit qu'on a besoin pas. 7 ans qu'il considérait. Il s'est mis à prier. Et un jour, il a rêvé. Il se promenait avec une jolie petite fille de 7 ans. Et dans un temps, il a rencontré quelqu'un. Il lui a dit, mais cet enfant te ressemble. Et il a regardé cet enfant ensemble. Alléluia. Quand il s'est réveillé, il a dit à sa femme, tu es enceinte. Il dit, j'ai rêvé. Alléluia. Quelques mois après, il est allé pour une grande conférence en France. Sa femme était prête à coucher. On l'appelle pour lui dire, l'enfant, on ne peut pas laisser cet enfant naître. L'enfant a une certaine malformation. Il a dit, passez-moi le médecin. Il dit, docteur, j'aime tout ce que je fais dans quelques jours. Cet enfant, moi, je l'ai vu. L'échographie n'a pas la même précision que mon Dieu.
Jésus. Il dit à sa femme, moi j'ai vu cet enfant. Sa femme lui dit, tu sais, quand on a trop de soucis, on a aussi des songes qui viennent des soucis. Il dit à sa femme, mon ami, le pasteur Tony, mon père est venu, il m'a fait un procès de l'âme. Il a crié, il a dit à Dieu, tous les rêves inutiles, je vais les oublier. Mais tous les rêves qui ont un message de Dieu, je ne peux jamais. Moi, je crois, c'est un homme de Dieu. Je vais décider qu'on laisse l'enfant naître. Il est allé à l'hôpital. Vous ne pouvez pas imaginer. Tous spécialistes. Voilà, tous spécialistes. Les Arabes qui se sont réunis. On va voir. L'enfant est né. Normalement. Alléluia. Alléluia. Et ils ont posé la question, comment étais-tu sûr que l'enfant était comme ça? Il leur a raconté, nous servons Dieu à l'époque à l'université. Et un de mes amis a prié pour moi, pour que je n'oublie jamais les songes qui viennent de Dieu. Alléluia. Et c'est l'ami qui m'a donné ce témoignage il y a 2 ou 3 ans ici à Kinshasa. Et il m'a dit, donne souvent ce témoignage. Parce que quand on te regarde, on ne peut pas imaginer que Dieu est en toi. Tu es trop faible, trop doux. Tu n'as pas les moyens pour convaincre. Donne ce témoignage pour que les gens croient que tu peux le faire. Et je vous donne ce témoignage pour que quelqu'un sache que quand je vais prier avec lui, quelque chose va se passer. Allons. Peuple de Dieu, nous voulons simplement profiter de l'occasion de ce que la Pâque nous offre, où nous voulons nous souvenir de la résurrection de notre Seigneur Jésus, où nous retrouver autour de ce séminaire que nous avons intitulé « Les bénéfices du sang de Jésus ». Tout ce que nous recevons au travers de l'effusion de son sang, au travers de l'écoulement de son sang, tout ce que nous pouvons obtenir comme enfants de Dieu, tout ce que nous avons en héritage, parce que le sang de Jésus a coulé un jour pour ta vie, pour ma vie. Par son sang, nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous vous invitons à partir de ce mardi 22 mars jusqu'au 31 mars de ce mois, nous vous invitons à venir ensemble avec nous et vivre ces grands moments de la Pâque au travers de ce grand séminaire que l'Église à présent que Dieu organise pour vous, pour nous, pour la gloire de notre Seigneur. Amen.